Bon, Mons, qu'est-ce qu'on fait là, alors? Le mondial. Non, mondial. En place fribourgeoise. Ouais. On accueille, pour un repas d'équipe, notre ami Julien Spronger. Ah, ce soir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Julien, ouais, c'est cool, ouais. Ça. Exactement. Et donc, petit repas d'équipe. Moi, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait depuis ma retraite, donc ça va me faire plaisir de... Juste nous trois, ou... Ouais, juste nous trois. Ah, on va peut-être avant, on va avoir l'invité de l'invité, mais... Dis-moi pas que t'as une surprise. J'ai une surprise, hein? Mais on va la garder. Ok. Bon, viens, on y va. Allez, c'est parti. Ah, on va être très bien là. On va être bien, mon Mans. Ouais, je pense qu'on est bien ici. Il arrive bientôt. Ah ben, il est là. Il y a jeu. Allez, yeah, il est là, les gars. Il est tout beau, oh, il est tout beau. Bon, les gars. Hey, ça va, grand? Ça va, toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va bien, ça va bien. Plaisir, hein. Thomas. Mais moi aussi, moi aussi. Ah, comment ça se fait? Tu nous amènes ici? Alors ici, on est au Café Restaurant Le Mondial. Alors, on vient assez régulièrement avec les gars manger après l'entraînement. Et en fait, à la base, c'était un bar, ça s'appelle le Wine Bar. Et au début de mes débuts en Liga, les gars, ils venaient souvent boire une bière après le match ici. Moi, j'étais un peu le petit jeune. Ouais, une bière. Ouais. Une bière. Tiens, moi, j'ai droit qu'il n'y a qu'une bière, ah, je sais pas. Mais... une bière, ouais. On est régulièrement, mais voilà un petit peu la petite histoire de cet endroit. D'accord, ok. Bien choisi, en tout cas. Allez. Viens, on passe à l'intérieur. Vas-y, mon mec. Ok. Oh, j'ai faim. Ça tombe bien. Bon, Jules, on parle un peu de qu'est-ce qui t'a amené au hockey et pourquoi t'as commencé le hockey, en fait. Alors, moi, j'ai commencé le hockey à l'âge de 3 ans et demi, déjà assez tôt. En fait, j'ai une grande sœur, j'ai deux sœurs, une petite et une grande. Elles ont du patinage artistique. Et du coup, j'allais avec mes parents, en fait, pour amener ma sœur à la patinoire. Ça coïncide aussi avec l'arrivée, justement, de Bykov et Komutov à 3 ans et demi, 4 ans à Fribourg. Donc, je vous cache pas que le hockey, il était partout, dans les médias. Les gamins, ils jouaient dans la rue, ils parlaient que de Bykov, Komutov. C'était ça. Et puis du coup, j'ai commencé, mes parents m'ont mis à l'école d'abord avec ma sœur au tout début sur des patins pour essayer d'apprendre à patiner. Tu as commencé par le patinage artistique. Ouais. T'as jamais eu mes triple loot. Non, j'ose pas trop le dire. C'est vrai, mais je remarque encore. C'est bon maintenant. T'es assez... Ouais, mais non, c'est bon, maintenant c'est bon. J'ai prouvé. Mais ouais, j'ai commencé comme ça, mais quelques mois, un, deux mois, je pense. Puis après, ils m'ont tout de suite mis à l'école de hockey. Jeff Skinner avait fait la même chose. Un peu plus longtemps. On a le même patinage d'ailleurs. J'ai joué assez longtemps au hockey puis au foot. Dans le village, je viens d'un petit village. J'ai annoncé parce que Julien, il a la chance de jouer avec les deux croutons qu'on est à Fribourg. C'est légende. Ah, maintenant c'est un peu toi le plus vieux. Mais... maintenant, c'est toi le dinosaure de ton équipe. Les dernières années, c'était pas. Échange des rôles. Échange des rôles, exactement. Mais au début de carrière, c'était un peu plus compliqué. Il y avait déjà un peu plus financièrement, c'est moins structuré. Mais en même temps, pour un jeune comme moi, qui t'arrive à 16-17 ans, c'est l'occasion justement d'avoir ta chance. Tu vois. T'arrives dans un club qui est haut du classement. Qui a, ils étaient assez intelligents pour déjà vous faire jouer. Toi, c'était ça. Ils ont lancé des jeunes. C'était facile après quand t'as des joueurs de cette trempe. Tu fais avec toi? Non, avec Julien. De prendre des choix comme ça, de prendre ouais, des jeunes. Non, c'est vrai, qu'il y a des choix qui sont plus difficiles. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu notre chance, ils nous ont donné notre chance. C'est vrai que tous les clubs. Bon, après, à cette époque-là. Ils nous ont donné tôt. Ouais, tôt. À 16, mon premier match, j'avais 16 ans. J'ai fait deux matchs. Un à Davos, mon tout premier match, j'ai joué à Davos. Donc le plus long voyage. Tu commences bien. En fait, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Ovald, Patrick Ovald. Il jouait à Berne, il a joué à Fribourg. Et puis moi, dans le quart, tu vois, premier match, un autre jeune, on a parlé de Fribourg juste avant la montée de Davos, là, au Restoroute, là. Et Patrick Oval, il arrive, il nous dit, s'il vous plaît, les jeunes, là, vous nous laissez au moins 40 minutes le temps qu'on monte à Davos pour se reposer. Parce qu'on a parlé tout le temps, on embêtait tout le monde, on ne se rendait pas compte. On était tellement excités d'être là avec la première équipe. Ouais, c'est clair. Que voilà, c'est mes premiers souvenirs avec Botero. D'ailleurs, on a vu, on a quand même regardé 2-3 trucs avec Mons, on a vu que tu avais joué pour un autre club. Ouais. Au même s'il a aussi joué. Tu le caches. Ouais, exactement. Pas beaucoup de monde le sait. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour la chaude fond, j'ai fait un match en Ligue B. Ouais.
C'était, je sais plus quelle année c'était, mais j'avais été blessé pendant un petit moment. Ouais, c'était assez tôt justement. J'avais été blessé. Il y avait une pause nationale, je crois, en Liga. Et puis ils m'ont demandé d'aller jouer avec chaud de fond pour prendre un peu le rythme. T'es pur, mais presque. J'ai fauté là. J'ai fauté. Une infidélité. Exactement. Une petite infidélité. C'est eux qui t'ont envoyé. Je pense que personne m'en voudra pour chaud de fond. Ça avait été un autre club peut-être un peu plus. Là, ça va. Tu l'auras ta statue. Tu l'auras. Qu'est-ce que tu fais là? Il est beau. Vitamine. Vitamine. Je me présente. Zodze. Zodze. Enchanté. Enchanté. Le vrai Zodze. Non, vous m'avez dit de penser à un invité de l'invité justement. Et puis... Merci Julien. Bah, avec plaisir. Franchement, c'est un honneur pour moi de t'avoir ici. Tu penses c'est pour moi. Et Laurent m'a dit, mais quelqu'un qui a marqué ta carrière. J'ai réfléchi longuement. Il y a deux, trois noms qui sont venus en tête, mais j'ai pensé vraiment très fort à Slava parce que déjà quand il arrive à Fribourg, j'étais jeune, j'avais 3, 4 ans. Santé. Santé. Attention, attention. Non. Je vais passer les larmes. Non. Et puis c'est vrai que on parlait que de hockey quasiment partout. Et puis ben, spécialement de Bikov Komutov, les autres joueurs aussi. Ça m'a donné envie de jouer au hockey. Et puis ben voilà, j'ai fait les classes juniors à Gautheron. Je l'ai eu comme coach aussi en junior élite à Fribourg. Par la suite, c'était un coach contre qui j'ai joué quand j'étais en équipe nationale. Il était avec l'équipe de Russie. C'était, je crois qu'on n'a jamais gagné contre eux. Et puis voilà, c'est pour moi, 2000, c'est une légende. 2008, c'était hein, 2008, à Québec. 2008 à Québec, ouais. Bah nous, on a joué contre eux en quart finale, justement. Là. Ouais. C'était, bah, c'était un match catastrophique. Alors, Fourret a marqué un autogol. On le salue. Moi, je me suis pris un shoot de Vauclair dans le visage. Il était stressé à ce moment-là. Il voulait dégager le puck au plus vite possible depuis le coin. Il a shooté. Le gardien, je ne sais pas c'était qui, le gardien, il n'a même pas été pas prêt. Tac, go. Moi, j'étais triste pour lui, puisque quand même deuxième patrie. Mais finalement, c'est clair qu'ils étaient stressés. Oui, vraiment. Et je suis très heureux, honoré que tu m'as invité aujourd'hui, puisque j'estime, toi, tu fais un très bon job. Tu es devenu une légende ici en Suisse et surtout à Fribourg. Et tu fais un bon porteur, un bon ambassadeur de vie, saine vie pour les jeunes. C'est clair, c'est une sacrée responsabilité finalement. Mais moi je suis content que j'ai pu côtoyer, travailler avec toi. J'espère que je t'ai apporté quelque chose. Et toi et André, et puis je suis heureux que avec mon fils André, vous êtes devenus des amis. On a développé les entraînements avec beaucoup de patinage, technique de patinage, maniement de cross, etc. Puis ces gaillards-là, comme Julia et puis André, mon fils, ils, à 1-2, ils apprenaient le mouvement et tout, momentum. Je les invite, quand on a repris première équipe avec Popichin, on les a pris en entraînement pour montrer les exercices aux premières équipes. Ah là 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 là, ils avaient de la peine, ils avaient de la peine les premières, parce que les mouvements pour eux c'était, ils étaient comme poissons dans l'eau en fait, dans l'équilibre, dans la coordination, etc. Et pour nos pros c'était pas facile. Mais j'avais à Fribourg quand j'ai commencé, même avec vous, Junior Elite, mais avant c'était avec les mini et puis novice. Chaque mois j'avais réunion fixé avec les parents. Je dis, chaque mois, vous pouvez venir et on discute de vos problèmes, vos souhaits, etc., vos envies. Parce que sinon, dans les gradins... Non, mais c'est mieux de faire comme ça. Ouais. C'est une bonne chose. Hein. Parce que mieux. C'est l'information. Communication. Je leur ouvre la porte de vie l'intérieur de ce que leurs enfants ils font. Ils voient aussi ce que... Bah oui, parce qu'on nous a confié leur gosse, c'est les responsabilités aussi dans l'éducation.
D'abord, il faut montrer notre philosophie, en fait, présenter qu'est-ce qu'on veut de leurs enfants, et pour qu'on soit ensemble. Unis. Et puis, des bonnes notes à l'école. Ah, moi, c'était ma condition, moi. T'as eu la chance. Ouais, moi, moi, c'est la même chose. Hein. Moi, si tu faire du si sport, ça suit à l'école, tu peux y aller, sinon... C'était deal avec ma maman aussi. Tu m'amènes 5 ou 4, parce que chez nous, c'est la meilleure note, c'est 5. Okay. Tu m'amènes 5 ou 4 et tu fais ce que tu veux. Ah, moi, c'était pareil. Ouais. Oui, ils m'ont dit, si t'as pas des bonnes notes, on te met dans la cage. J'ai jamais eu de bonnes notes. Ah, ils ont bien fait. Hein. T'as remercié tes parents? Ouais, c'est pas vrai. T'as remercié tes parents? Merci d'avoir invité. Ben, merci d'être venu, en tout cas, ça me touche beaucoup. C'est toujours plaisir de partager avec vous. On peut parler de hockey de jour et nuit. Puis, ouais, c'est intéressant. Hein. Toutes les anecdotes, les histoires. Parce qu'on a le plaisir. C'est ça, ouais, et c'est le meilleur locomotif dans la vie. Ouais, c'est vrai. Bon, bonne continuation, mes amis. Merci beaucoup. C'est gentil, merci Slava. À tout bientôt. À tout bientôt. Allez. Ciao. Ciao. Ciao, merci. Donc quoi, tu disais début de carrière? Alors j'ai commencé à 16 ans, c'est vrai que ouais, c'était mon rêve d'être professionnel, mais tu sais pas, hein, on en a vu plein qui arrivent pas. C'est quand même cette étape un peu charnière, hein, tu vois, 16, 17 ans, entre les études, entre... Ben voilà, il y a aussi commencé à sortir un peu, avoir une vie à côté. Et puis moi j'ai toujours croché, j'étais vraiment un fan. C'est vrai que j'ai pas sacrifié ma jeunesse, mais j'ai pas été un grand noceur à sortir. J'avais vraiment du plaisir à être dans le sport. Et puis j'ai vraiment tout donné à cette période-là pour réussir. J'ai eu la chance justement que le club m'offre la possibilité de jouer aussi. Après, tu as fait tout pour qu'il t'offre les choses. Oui, mais les concurrence, sens, tu vois. Dans les juniors, j'ai jamais été le meilleur joueur d'équipe. Ouais, d'accord. Non. On était toujours dans les meilleurs. Je jouais souvent avec les plus grands parce que j'étais déjà assez grand. Mais j'ai rarement été en équipe suisse ou j'étais dans les championnats du monde moins de 18 ans, moins de 20 ans. Moins de 18 ans, moins de 20 ans, deux fois. J'ai quand même fait. Oui, toute la filière, je l'ai faite. Vous étiez quand même dans les bons, quoi. Oui, j'étais dans les bons. Mais j'ai jamais été vraiment le gars qu'on sait qui va arriver. Il y en a depuis tout petit, tu dis, alors lui, on va le suivre. C'est pas plus mal des fois. Ouais, justement, c'est ça. Du coup, tu l'as quand même croché, tu vois. Tu as toujours cet objectif d'être le meilleur, de vouloir être le numéro un. De... Gros problème, c'était 2005-2006, non c'est... Ah, je sais plus les années par cœur, mais il y a eu un sauvé Gautheron. Il y en a eu moins quand j'étais junior, il y en avait eu un. Et après, il y en avait eu un, justement, au début de ma carrière professionnelle. Moi, je pense que c'était au moment où j'arrivais en Suisse, je crois qu'il y avait eu. Ouais, il y avait quelque chose comme juste ça. Juste là, on était vraiment reparti de tout en bas. On a eu une saison, on s'est battu pour rester en Liga. On a fait la relégation contre Bienne, c'était une saison, on avait 17 étrangers, c'était une catastrophe. Rien n'allait cette saison. Moi, on a réussi à se sauver. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore l'équipe depuis plus longtemps en Liga. En Liga. Moi, je voulais lui parler d'un quart de finale, quand moi j'étais là, où on a joué contre Zurich. Ah. Et Zurich, à l'époque, était champion d'Europe, né d'être champion ils d'Europe. Ils avaient battu les Russes. Ils avaient battu les Russes en finale. Je vais te montrer, en fait, juste la fin du match contre Zurich, parce que. Le dernier match, je sais pas, tu te souviens ou pas? Bah oui, je me souviens très bien. Donc le dernier match. Ah, ça je me rappelle. Il y a cage vide, ils tirent, ils font poteau. C'est sur le poteau. Et en fait, on joue une minute à 6 contre 5. Ouais. Il y a deux poteaux. Il y a un poteau, après il y a Gardner, il fait un poteau. Après, tu as Thibaut Monnet qui a une occasion aussi. Thibaut qui était vraiment un joueur que j'ai beaucoup apprécié, qui est là, qui a le puck. Ouais, il va shooter sur Heinz, il fait un block shot. Et puis. Et là, moi, c'est la fin qui est exceptionnelle. C'est la fin, bah, bien sûr. C'est en fait. C'est l'opportunité, j'essaye de me battre. Non, mais le mieux, c'est qu'en fait, tu tombes et tu regardes l'arbitre, t'es en train d'insulter l'arbitre. Ça, on en a parlé, mais alors. Qu'est-ce que tu fais et tout. Tu savais pas que t'avais marqué. Bah, tu vois, il est au bon endroit au bon moment, ça prend pas. Là. Mais là, c'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, ce match-là, tu te souviens, tu mets hat-trick. Hat-trick, tu mets 3 buts et tu mets le but en prolongation. En prolongation, ouais. Et on gagne la série 4-0 contre Zurich. Alors c'était que, la folie. Bon, on avait un gardien là, pour parler des gardiens, on avait Caron, il était en état de grâce. Il marchait sur l'eau, c'était 50 arrêts par match. Voilà. Ben, ils avaient mis Fuller ce match-là justement, pour mettre un étranger en plus en attaque, Zurich, ils avaient changé. Ouais, mais c'était extraordinaire. Mais là justement, on passait dans le rôle. J'ai pas bien vu, il était là ou en bas? Non, il n'y a plus de gardien, il était Robert comme ça. Robert Gaulle, vraiment un Gaulle d'Afro. Et là, pour...
pour revenir sur la passion du canton et de Fribourg, là, dans les playoffs, la patinoire, c'était la folie. Ouais, c'était la folie. Les gens, ils faisaient la queue. Un de mes meilleurs souvenirs, les patinoires de Fribourg. 7-8 heures le matin, ils étaient là, les gens, ils faisaient la queue. C'était incroyable. Des plus grands concerts pour avoir des billets, c'était la folie, quoi, vraiment. Mais bon, là, on avait une équipe spécialement incroyable. Je vous rappelle que j'ai joué ici aussi, mais bon, je n'ai pas connu les mêmes. Mais toi, t'avais qui comme entraîneur? T'avais Serge? T'avais Pelletier aussi? J'avais Serge, on avait bien commencé, puis on s'est effondré la deuxième partie de saison et on s'est fait laminer contre Davos en playoff. Ah, sérieux? C'est bizarre, 4-0. On fait rarement contre Davos. Ouais, mais cette année-là, on avait perdu. Ils me disaient, les gars, ça fait 20 matchs de suite. Ah, ouais, mais nous, on l'a sur dans ma carrière, je sais pas comment je dis, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je veux bien en gagner un, tu vois, on va jouer. Tout perdu, plus les playoffs. T'as un peu quoi de souvenir de Serge et même de tes entraîneurs, on va dire, en général? Ça s'est toujours très bien passé. Maintenant, t'as un peu de recul un peu avec ça. Ça s'est toujours très bien passé. Après, c'est pas toujours évident. Comme maintenant, ça fait quelques années que je suis capitaine aussi, t'as un rôle quand même différent. Après, je garde des très bons souvenirs parce que moi, je m'entendais bien avec chaque coach. Chaque coach est différent. Il y a un coach qui t'a apporté un plus en particulier, tactiquement, techniquement? Pas particulièrement. Techniquement, dans ma jeunesse, beaucoup, il y a Rudy Rémy, Slava, mais je pense que Rudy a marqué tous les joueurs qui jouent aujourd'hui, qui viennent de Fribourg, qui jouent en Ligue nationale A ou B. Après, j'ai beaucoup aimé, il y a eu avec Hans Kossmann, on a eu cette année, on a été en finale justement. C'était un coach qui était très dur. Je pense qu'il a été aussi dans l'école Max Orlais, et puis il était très dur, mais il arrivait quand même à mettre sur place au niveau tactique. Et toi, ça te faisait du bien? Tu sentais que ça t'apportait? Alors voilà, autant tu pouvais des fois pas le détester, mais être vraiment presque fâché contre, autant tu peut-être c'est ce qu'il voulait aussi. Ouais, justement, il cherchait à forcer un petit peu sur l'équipe pour que les gars chaque coach est différent. Serge Pelletier n'est pas du tout le même. Lui, il serait plutôt d'être vraiment proche des joueurs, vraiment très très positif tout le temps. Hans, c'était différent, mais il a réussi à tirer le meilleur de tout le monde. Mais il était dur, c'est vrai que c'était un coach très difficile, quoi. Mais voilà, c'est là qu'on était en finale, on a vécu. Cette année, c'est une année. C'est tellement une grosse frustration parce qu'on avait une équipe incroyable. On arrive en finale contre Berne, c'est la finale rêvée pour tout Fribourgeois, quoi. Ah, bien sûr. D'accomplir un truc. Mais c'est ça, quoi, que personne n'a encore jamais réussi à faire. Je veux dire, tout le monde en rêve dans ce canton depuis tout le temps. Et puis ça nous colle un peu à la peau aussi, c'est pas toujours facile, quoi. Enfin, les 25 dernières années, il n'y a pas grand monde qui a gagné. Non, mais tu vois, Fribourg a quand même eu une phase aussi où tu as eu Mikov Komutov, ils ont eu 4 finales suite. Là, c'était. Ah, ça, c'est quand même. Ouais, c'est l'histoire ancienne. Ouais. C'est là que tu dis, ça croit qu'on n'a jamais réussi. Ouais. Et puis là, cette année-là, on sentait qu'on avait tout pour bien faire. Vous aviez tout. On avait une équipe vraiment sur le papier très très forte, on avait un super groupe. Ça s'est joué sur un match, sur un goal un peu gag. C'est fou, ça a tourné sur pas grand-chose. Tu sentais en toi ça, d'être capitaine, ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit, un peu, on va dire, comme un Zidane avec l'équipe de France? Petit à petit, il s'est impliqué, il s'est senti à l'aise dans le rôle de capitaine. Et toi, c'est un peu pareil, ou quand tu étais jeune, tu étais capitaine ou... Alors justement, jeune, j'étais souvent capitaine. D'accord. Dans mon équipe. Bon, après, souvent dans les équipes jeunes, j'en mets un des meilleurs. Et puis, j'ai quelque chose en moi, j'adore être un exemple, si tu veux. Après, il y a des capitaines qui sont très forts, qui parlent tout le temps, qui sont proches, qui parlent tout le temps. Toi, tu étais un capitaine, je pense, en équipe de France, tu étais capable vraiment de parler à tout le monde. Moi, c'est pas spécialement ma plus grande qualité, alors j'adore le faire, je vais le dire, s'il y a besoin de discuter avec un gars, il n'y a pas de souci. Mais il y a un gars qui m'avait dit, la meilleure façon de leader un groupe, c'est de leader par exemple, d'être vraiment le leader par exemple. Ça, c'est vraiment ce qui me plaît, ça. Ou d'être soi-même aussi, je pense. Alors, ça fait partie de ma nature. Mais ça, c'est la description du mot leadership, elle n'est pas vraiment établie. Hein, moi, non, elle est là. Dans le sport. Ça dépend du charisme et sûrement de la personne aussi. Ouais, c'est vrai que moi, maintenant, je te trouve parfait dans ce rôle, en tant qu'en. Déjà, on va dire même plus que capitaine, tu es même presque un emblème du club. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, par,
Mais au début, je pense, après, il fallait s'imposer dans l'équipe. Mais ils m'avaient mis déjà capitaine à l'époque où j'avais à peine 25 ans, je pense. D'accord. Ça, c'était mais plus c'est dur. Pas l'année, justement, où tu étais là, peut-être. Moi, c'était, je sais plus. C'est possible, ouais. Parce que justement, j'étais en fin de contrat, ils m'avaient signé un contrat. Et puis, en me disant qu'ils allaient me donner vraiment des responsabilités. Et puis, ils ont voulu me mettre. Alors, moi, j'ai jamais rien demandé. Hein. J'ai jamais été dans le bureau d'un coach pour demander quoi que ce soit. De toute façon, ça se demande. Et on m'a mis, donc c'est un honneur d'être capitaine. Fribourgeois, d'être capitaine à Fribourg. Mais ça, c'était assez difficile quand même. Même pas le choix du coach, c'était le choix je sais pas, de l'organisation. Je sais pas vraiment comment ça a été choisi, mais quand t'as des, on avait quand même des joueurs comme Heinz, on avait Jeannin. Bon, après, c'est des joueurs que moi je respecte énormément, qui ont quand même un charisme et une expérience quand même en-dessus de moi. Donc je pense que j'ai beaucoup appris, mais là à ce moment-là c'était un peu tôt. Mais c'est ce que ça représente un peu aussi, c'est exactement ça. Et puis c'est la durée, si tu veux. Je pense que à faire les speeches dans le vestiaire, Sean était très bon pour ça, mais comme étranger, tu sais jamais. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Mais moi, j'étais presque des fois mal à l'aise aussi par rapport justement à un plus. Ça, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, qui était des joueurs que je respectais beaucoup. Tu vois, pour moi, ils avaient quand même une expérience, ils avaient acquis des choses dans leur carrière que moi, j'avais pas encore. Donc, c'est des choix d'organisation, ça, de mettre quelqu'un qui est emblématique. Et d'ailleurs, ça paye parce que tu es encore là. Oui, alors oui. Donc ça, c'était je pense que quelque part, c'était un bon choix. Après, c'était Sean, après, il a dû le comprendre, et Sandy aussi. Oui, c'était oui. Le choix de... C'est à eux aussi de te protéger un peu. Oui, mais c'est-à-dire comment de prendre, Oui, mais il y a quand même une sorte de hiérarchie parce que... Je pense qu'il ne faut pas confondre être capitaine et être tout seul. Tu n'es pas obligé d'être capitaine et tout seul. Et c'est pour ça d'être 3-4 leaders. L'idée, c'est amener les autres. Oui, que tous les leaders soient ensemble. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'à cet âge, je pouvais. Ouais, c'est ça. On pouvait me mettre sur la glace à un tel moment pour tirer un penalty ou faire un truc parce que c'était quelque chose que j'aimais. Mais je ne sais pas si à cette période-là, c'était vraiment le moment où j'étais le plus mûr. Tu vois, par rapport. Moi, je me sens supplémentaire. C'est ça. Au niveau hiérarchique, moi, je me sentais peut-être encore en dessous, tu vois. Une forme de respect par rapport à ces gars, qu'eux, ils le soient, ça aurait été pour moi plus logique. Mais j'ai accepté ce rôle avec grand plaisir et j'ai beaucoup apprécié. On a parlé quand même pas mal d'ensemble de ta carrière en général, et c'est vrai, de Fribourg surtout, on a beaucoup parlé de Fribourg, et on n'est pas venu encore sur le thème de l'équipe nationale. Tu as quand même une très belle carrière en équipe nationale, et un peu ton sentiment vis-à-vis de ça, parce que tu as joué plutôt dans tes années où tu étais jeune, et après tu nous expliqueras peut-être pourquoi aussi tu as pris la décision de mettre ça un peu de côté. Ouais, c'est vrai que j'ai vécu, alors j'ai fait toutes les filières nationales depuis U16, je pense que ça a commencé. Ouais. Déjà avant les sélections régionales et puis nationales, donc depuis les U16 jusqu'au U20. J'ai fait les deux championnats du monde moins de 20. Ouais. Et l'année d'après, j'ai déjà été appelé par Kruger qui était à l'époque en place. C'est un coach que j'avais adoré, il était vraiment très très fort. Alors quelqu'un qui était critiqué dans les médias. Peut-être un de tes meilleurs coachs. Je pense honnêtement, oui. Après c'est difficile parce que c'est par période, tu vois, c'est deux semaines, championnat du monde. Mais c'est un coach que j'ai beaucoup adoré, franchement. Au niveau relationnel, il était charismatique, franchement. Et tout ce qu'il disait avait un sens. Il savait, il avait une direction. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Puis ensuite, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire les championnats du monde quasiment fait chaque année. Finale, j'en ai fait 4 ou 5, je crois. Ouais. Je crois 4 et puis 1, je suis allé. Ouais, je suis arrivé blessé justement. Et t'es reparti. Ouais, exactement. Ouais. Et puis les Jeux Olympiques en 2010. Non, à Helsinki, t'étais, non? On t'est reparti blessé en 2012. Oui, c'est ça. Je suis arrivé, c'était pas sûr. J'ai essayé un petit peu, mais ça allait pas. Je suis rentré finalement. Donc, depuis en 2010, les Jeux Olympiques, ça c'était extraordinaire. Ouais, c'est ça. À Vancouver, le pays du hockey, on a joué contre le Canada, on a super bien joué. Une expérience incroyable. Donc, c'est vrai que ma carrière était courte finalement, mais j'ai eu la chance de vivre ce que je pouvais. J'aurais aimé, il y a eu les médailles d'argent là, ces dernières années. Bien sûr que j'aurais aimé en faire partie, mais pour revenir sur ta question, en fait, j'ai arrêté assez tôt aussi. Dans ma vie privée, je ne me suis jamais trop penché là-dessus, mais j'ai eu un enfant. Je me suis divorcé aussi assez tôt, assez jeune. Et puis, j'ai toujours voulu aussi la garde de cet enfant, la garde partagée. Et bien sûr, c'était une des conditions, c'est que je sois présent. Je ne peux pas m'en aller deux mois, non-stop, et puis être là juste quand je voulais. Donc, j'ai dû faire un choix. Pour moi, le choix était très rapide. Après, on comprend pas, mais
pour moi, la famille, c'était le plus important. Souvent, les gens, ils comprennent pas tout ce qu'il y a un peu derrière, quoi. Ils voyaient pas. J'ai jamais voulu me. C'est une des premières fois où je le dis vraiment comme ça. J'ai jamais vraiment voulu me prendre ça comme excuse non plus. Je voulais, voilà. Ce qui se passe, c'est que aussi l'équipe de Suisse a changé entre deux. Et puis, il y a une époque où c'était un peu toléré de dire non pour des raisons personnelles. Ouais. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus sélectif. Bah déjà, moi, quand j'avais dit non à l'époque, certains joueurs avaient, même au niveau média, critiqué le fait de refuser une sélection d'équipe nationale. Alors que moi, j'avais pris la décision, j'avais discuté avec la Ligue, avec le coach en place. Les coachs ont changé assez régulièrement à cette époque. Il y a eu Simpson, Hanlon aussi. Après, il y a eu Fischer. Donc, j'ai eu contact avec tous ces coachs qui, chaque fois, j'ai réexpliqué ma situation. Ouais. Tout le monde l'a compris. Il avait parmi ses coachs qui avaient la même situation. C'est une situation difficile et on comprend que la famille passe en premier. Voilà, pour moi, bien sûr. Mais c'est un choix, en tout cas, honorable. Moi, je trouve que dans la vie, il n'y a pas que. En tout cas, moi, je suis bien. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre des fois qu'il n'y a pas que le hockey. C'est ça. Mais la famille reste au-dessus de tout. Mais moi, j'étais bien avec ce choix. J'ai privilégié la famille, j'ai vécu des très beaux moments avec mon fils. Et puis, je suis heureux d'avoir pris ce choix. Et puis, j'ai eu la chance quand même de vivre les championnats du monde, les Jeux Olympiques avant aussi. Donc j'ai quand même une frustration au moins, même si bien sûr c'est cette médaille c'est d'argent, à ces moments-là j'aurais aimé les vivre. Moi je voulais te montrer une vidéo qui n'est pas très marrante, mais de l'équipe suisse, c'est vrai que t'as eu des... Je suis en mode avion, désolé, on a refait. C'est la pince, Monet, putain. Mon avion bête. Le soir, parce qu'il y a son téléphone, il faisait que de vibrer quand on était ensemble en équipe de France. Ouais. Et moi, je voulais dormir. Et il vibrait. J'ai mon avion, Yet. Je pense que c'est pas des bons souvenirs, ça. Non. Là, on voit vraiment que. Non, c'est un moment. En fait, t'es dans un moment. C'était un des pires moments de ma carrière, c'est clair. C'était le. Ouais, je pense le pire moment de ma carrière, je pense. Ouais, en plus, c'était presque plus ou moins au sommet de ta carrière. Ouais, j'étais encore assez jeune. Parce que là, on sortait justement de ce quart de finale. Exactement. J'avais une saison. Tu jouais, t'étais une très très belle saison. Championnat du monde en Suisse. Vraiment, on avait une belle équipe. Tout le monde était là. Tous les joueurs qui étaient aux États-Unis étaient là, Strait et compagnie. Et puis cette blessure en quart de finale. Oui, c'était un moment difficile, franchement, très très difficile dans ma carrière. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre. J'avais été, mentalement ou physiquement, ou les deux? Il y a eu les deux parce que sur cet accident, j'ai perdu la sensibilité. Enfin, j'ai paralysé des bras et des jambes pendant un bon moment. Je me suis fait opérer après pendant la nuit. Un moment difficile. Puis là, tu remets beaucoup de choses en question. Mmh. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mmh. Est-ce que ça reste qu'un sport? Tu vois, tout est beau. C'est le choix familial, quoi. Bah, ouais, c'est là qu'après tu te dis quand même, il y a des choses. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais au final, ça m'a pris des mois pour me rétablir, me remettre de l'opération, retrouver la sensibilité, et puis vraiment toutes mes fonctions. Puis, tu recommences à t'entraîner, puis tu reprends goût. Après, ton physique, il revient bien, tout retourne dans l'ordre. T'oublies pas, mais t'as quand même cette envie, ce besoin de reprendre. Et puis, j'ai fait un travail aussi mental, une sorte de désensibilisation par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'avais. On m'a dit, mais quand tu vas recommencer, est-ce que tu penses que tu seras prêt? Est-ce que tu vas avoir un peu des craintes, jouer un peu sur la retenue? Donc, j'ai fait un peu un travail de désensibilisation par rapport à ça. Justement, en parlant de l'accident, en regardant la vidéo, en faisant plein de travaux un peu là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. C'est franchement, quand je suis revenu, j'étais vraiment libre de toute crainte. Mine de rien, ça, c'est tellement important. C'est vrai que c'était à Berne, donc chaque fois que tu tournes à Berne, est-ce que tu penses un petit peu la civière qu'ils ont à Berne, elle est tout le temps là encore aujourd'hui, elle est là, avant chaque match, je passe à côté. Enfin, c'est des petites choses qui sont là, mais je suis vraiment. C'est vraiment derrière, quoi. Ça s'est passé, j'ai pas oublié. Vu comme tu joues encore maintenant, moi je trouve que ça se voit que tu as complètement oublié. Ouais, j'essaye de. Tu peux pas jouer, je pense que tu joues avec la peur, c'est le pire truc que tu puisses faire. Et c'est vrai qu'on faire ce travail. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'on disait que c'est vrai qu'à ce moment-là, tu étais à ton sommet et c'était le moment où je pense que tu aurais sûrement pu aller en NHL. Bah en fait, c'était en 2009 à championnat du monde à Berne. Donc en 2004, j'ai été drafté par Minnesota. Ouais. Je suis allé au camp deux fois. Donc j'ai pas signé le contrat pro avec Minnesota. Ça s'est pas fait. Et justement, j'étais libre. J'étais agent libre en 2008. Et là, j'avais été approché par un scout et puis les New York Rangers.
j'avais signé un contrat en fait two-way, donc à l'époque ça se faisait un two-way, donc j'allais de toute façon commencer en AHL, c'était l'idée de commencer en tout cas début de la saison, voir une année en AHL et puis de voir comment ça se passe. Et donc j'avais vraiment signé le contrat, j'étais prêt à partir, j'avais une clause dans mon contrat en Suisse, donc pour moi c'était le moment opportun, c'était vraiment c'était ce moment-là. Et puis finalement, 2008, vraiment j'étais très jeune. T'étais mature pour... Mais justement pour moi c'était le moment. Ouais, c'était parfait. C'était vraiment le moment, j'avais déjà joué maintenant déjà presque 5 bonnes saisons en Suisse, j'avais progressé chaque année, et puis j'ai l'impression que pour faire la prochaine étape, c'était le moment de partir. Et puis voilà, ça arrivait. Et puis on a décidé avec New York et puis avec Fribourg de rester en Suisse, de me soigner en Suisse. Et puis finalement je suis resté là et puis je suis plus reparti quoi. Toi, t'as des regrets avec ça? Enfin, je veux dire, c'est typo rien. Non, sûr. Non, je me dis que ça arrivait peut-être pour une raison. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. De toute façon, les regrets. En tant qu'enfant, j'aurais toujours le rêve de jouer en NHL. Enfin, de pouvoir lever la Coupe Stanley une fois. Enfin, c'est le rêve de tout gamin. Mais ça reste pas une frustration. C'est pas quelque chose qui. Je me dis pas. Ah, mais j'aurais vraiment pu. J'ai loupé quelque chose. Ouais, t'as fait d'autres choses. Voilà, j'aurais pu. Peut-être j'aurais pu. En plus, c'est vraiment pas de chance. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais j'ai pas cette frustration. Mais moi, il y a un lien quand même spécial depuis longtemps, et puis j'avais vraiment cette envie de rester là. J'ai eu les opportunités de partir plusieurs fois, j'ai hésité à partir, mais chaque fois, Fribourg était convaincant. Il y a eu des événements dans ma vie aussi qui ont fait que j'ai voulu rester ici avec les enfants, avec pas mal de choses. Donc vraiment, je suis juste heureux d'avoir pu faire ça et puis d'accomplir cette fidélité. Il y a quand même des valeurs. T'as marqué combien de buts dans ta carrière? Je sais pas. Tu sais. Non, mais t'as eu le nombre de points là récemment. T'as pas eu cette année? Alors on m'a dit juste avant la fin de saison. Ah non, nombre de matchs. T'as passé les combien de matchs? Les matchs, tu dois être... J'ai passé 700 cette année. Non, j'ai passé les 800. Je me suis blessé sur mon 800e cette année. Que moi, je voulais quand même parler avec toi parce que à quel moment tu changes vraiment ton idée de... Mais j'ai un shoot, long un peu. Mais justement, t'as tu as changé. Masqué pas mal, parce que tout le monde le sait, que c'est des options un petit peu. On m'a dit souvent, enfin, gardien, on me dit que c'est un shoot qui est assez difficile à lire, justement. Ouais. Parce que c'est une technique de shoot, mais moi, j'ai appris à shooter comme ça. J'entraîne pas le fait de cacher mon shoot, mais... vraiment d'attendre et puis de regarder au shoot. Je pense que t'es grand et que t'as un flex. Et puis c'est possible, hein. j'ai une envergure puis une technique. Il y en a qui shootent rapide du poignet. Moi j'ai vraiment appris à shooter, à balayer, on appelle ça. Et après tu casses aussi les poignets à un moment pour justement changer les directions. Après c'est difficile de dire pourquoi, comment, c'est assez quand même miné. T'es toujours attiré par le but. Hein. Tout le temps. D'ailleurs, moi, la vidéo qu'on montrait, Zurich, où tu tombes, tu gagnes après l'arbitre. Même un peu trop. Mais... J'étais même un peu trop attiré par lui. Enfin, au début de ma carrière, tous les entraîneurs ils me disaient c'est bien sympa qu'il marque des goals, mais il faut quand même jouer offensif. J'ai dû travailler sur une qualité qui est tellement rare. Après, j'ai eu la chance. Alors, ça, c'est j'ai vrai, joué des joueurs qui m'ont mis en valeur toute ma carrière. J'ai joué avec Plus et puis Andrei. Les trois, c'est un bonheur. Souvent, quand tu marques les goals, t'es celui qu'on voit. Mais j'ai des gars autour de moi, franchement. Mes grosses saisons avec Andrei. C'était qui? T'as eu qui après comme André? Avec Tchervenka, j'avais une saison où j'avais autour des, je pense, des 25 goals, je crois. Là, j'ai joué avec Tchervenka, mais typique un joueur aussi qui veut juste donner le but. Il a pas envie de tirer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des très bons joueurs. J'aime marquer. Et toi, t'as prévu quelque chose après la carrière? Est-ce que t'as des plans un petit peu pour, j'espère, le plus longtemps possible? Bah écoute, j'y pense. Quoi, 3 ans, t'as pas signé 3 ans? J'ai 3 ans de contrat encore, j'y pense. C'est vrai que je suis plus proche de la fin que début, on sait. Je veux dire, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai ces 3 ans de contrat. J'y pense, c'est vrai que quand tu passes, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un seuil, dès que tu passes les 30 ans, tu commences à te poser pas mal de questions sur ton avenir quand même. Alors, t'as plaisir à jouer encore maintenant à 34 ans. Je pense que j'ai presque même plus de plaisir qu'à un certain moment. Tu t'aperçois que t'es plus proche, c'est pour profiter de tous les moments. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut travailler. Tu sais, il y a quand même des exemples autour de toi qui finissent une carrière sous une blessure ou du jour au lendemain. Et puis, c'est pas toujours évident. Et puis, moi, j'adore ce monde du sport. Franchement, j'adore le hockey, le sport. Par contre, c'est vrai que ça dicte ma vie et la vie surtout de tous les gens qui sont autour de moi, ma famille, depuis tout petit et puis depuis très longtemps. Donc je me vois pas coach derrière un banc ou sur la glace encore. C'est vrai que je sais pas. C'est presque encore plus demandant que joueur coach.
Oui, si, ça dépend quelle responsabilité on a, mais disons que être coach dans une équipe, c'est pas facile. Dans une équipe professionnelle, c'est ça, moi, après vivre, tu vois, me lever et puis penser OK toute la journée, j'aurais un peu plus de peine. Par contre, le côté gestion, tout ce qui est administration, me plaît de savoir comment un club fonctionne, parce que nous, on est du côté sport depuis toute notre carrière, mais de pouvoir gérer, justement, c'est une entreprise, mais quand même, dans le monde du sport, tu vends autre chose, tu vends pas des ordinateurs, tu vends des émotions, tu vends un show. Ouais, tu vends quelque chose que t'aimes aussi, c'est ta passion. C'est quelque chose qui te parle. Donc moi, je me vois là-dedans. J'ai commencé maintenant depuis cette année, vu qu'il me reste 3 ans, un certificat, un brevet fédéral. Il y a un de mes copains, aussi un coéquipier, Michael Ngoy, qui a mis quelque chose sur place pour les sportifs. Parce que c'est pas facile non plus. Tu peux dire comment ça s'appelle, je sais pas comment. NCA Academy, en fait, c'est un brevet fédéral dans la gestion d'entreprise, en fait. Et puis, dans l'idée, justement, moi, de pouvoir travailler dans le côté administratif. Donc là, je vais vraiment toucher à tout, un peu tous mes comportements, que ça soit la comptabilité, du marketing, pour après travailler là-dedans. Encore une fois, quand tu fais 20 ans de hockey, tu ne te rends peut-être pas compte de la vie active, à quoi ça. Ah ouais, moi, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui sont. Je prépare quelque chose dans une idée, mais je ne sais pas si c'est ça qui va vraiment me plaire ou pas. De toute façon, il faut que c'est bien, il faut se lancer. Après, je me lance et puis j'y pense. Puis ça me soulage. D'un côté, je me dis, là, je peux vraiment profiter de mes 3 années à donner ma fond. J'ai quelque chose, je suis en train de préparer quelque chose à côté. Avoir ça en complément, pour moi, c'est important. Quoi. Eh bien, on voulait te remercier pour ce bon moment passé ensemble. Bah, merci à vous. Ça m'a rappelé des bons souvenirs de repas d'équipe. Hein. Ouais. C'est vrai, d'ailleurs, tu n'as pas une bonne anecdote sur un bon repas d'équipe qui s'est bien fini, quoi, par exemple. Un bon repas d'équipe. Je sais pas, quelque chose de particulier. Bon, dans la tradition. Avec Sean, dans la bonne tradition du hockey, vous connaissez hein, ce qu'on appelle, on appelle un shoot check. Ouais. C'est d'envoyer un petit jeune sous la table pour aller remplir les chaussures d'un joueur de ketchup. On l'avait fait à l'époque, Sean Hines avait donné un peu d'argent à un jeune, c'était Romain Lefeuille, je crois, si je ne me trompe pas, pour aller mettre un peu de ketchup sur les chaussures à Caron. Et ça avait tourné, il avait hyper mal pris. Il ne comprenait pas les coutumes. Non, je pense que c'était le fait que lui. C'est vrai que c'est l'inverse. Tu fais ça à un jeune. C'est un jeune. Et là, Hines, il avait fait exprès pour le provoquer un peu Caron. Et il était parti. Il n'en avait plus au bout de la soirée, il avait fait une crise. On avait bien ri, hein, je pense qu'on a rigolé. Avec Sean, on en a parlé encore il n'y a pas si longtemps. Lui, il adorait le provoquer un petit peu, il adorait ça. Donc le petit souvenir, c'était ça. Pas de ça ici. Non, en tout cas, je crois pas. Non. Pas de shoot check, c'était tout bon. Parfait. Bah, merci à vous en tout cas, ça fait plaisir en tout cas. Bon choix de restaurant. Ouais, très c'était bon. Ouais, parfait. C'est bon, parfait. Ouais. Ouais, c'est bon, je mange pas demain, je suis au régime. Bon. Merci. Ouais. Merci, Jules. Allez, la grande classe. Merci bien. Pour toi. Bon, Manioc, petit feeling, et toi, alors, c'est un bon moment quand même. Super, hein. Ça me fait plaisir un peu de retrouver un peu ces ambiances de. Ça te manquait un peu, ça. Ah, hein, c'est les choses qui manquent, le vestiaire, Des petits repas comme ça, d'aller Julien, voir. On a joué les deux avec lui. Ouais, moi c'est un très bon ami, ça fait plaisir. On voit qu'il est bien, on voit qu'il est bien dans sa peau. Donc, moi je l'ai senti vraiment dans la maturité, là. Vraiment, ouais. Vraiment grande classe. En plus, on a eu l'excellente surprise de notre Slava Bikov. Non, mais tu sais qui c'est le prochain invité? Ouais, même pas. Tu sais? Non. Tu sais ou pas? Non, je sais pas. Sois prêt à tout. Sois prêt à tout. C'est beau ça. Hein? Et ben, sur ce, on fait jouer. Et content, Simon.